parle d'un monde qui n'existe pas. Un monde où les frontières ne diviseraient pas. La moindre différence comme ultime richesse. Sans barrière, sans bannière, inutile forteresse. Partager. Un monde qu'il nous faudra construire, que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir. Infantile utopie ou combat d'une vie, les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. Aucune ligne sur la terre. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer lumière, redessiner d'autres frontières. Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières diviseraient pas. Infantile utopie, au cœur d'une vie, redessiner d'autres frontières. Partager le même soleil.
Poutine, ville du département de l'Aisne. L'Aisne est dans la région Picardie. L'Est de la Picardie, l'Est c'est la France, tout ça c'est la France. Tout ça c'est la France. Nous n'avons pas la mer à Soissons. Nous n'avons pas de montagne à Soissons. Nous ne chantons pas la Marseillaise. La Marseille. La Marseillaise. Très. Inutile forteresse. Partagez. Nous allons à l'école toute la journée. De 8h50 à 12h et de 14h50 à 17h, il y a des activités de 13h40 à 14h50 et de l'aide aux devoirs de 17h à 18h. Combien d'entrées en classe? 29. Est-ce que votre école est privée? Publique. Alors Non. Elle est quoi? Elle est gratuite. C'est-à-dire qu'elle est publique. Merci, Anne. Vas-y. Quelle est la question? Est-ce que votre école est clôturée? Si, alors Notre école est clôturée avec plusieurs criages autour. Alors tu vas mettre ça avec quelle étiquette? Il sert à produire en métal. Il sert à éclairer. On remplit l'ampoule avec du pétrole pour l'allumer. Il n'a pas besoin d'électricité. Et tu penses que c'est quoi? L'as-tu trouvé avec tes étiquettes? Qu'est-ce que c'est? Le lampadaire. Le lampadaire? Le pétrole. Thibaut, tiens-toi sur tes deux pieds, c'est plus simple. Attention, on va faire l'ascenseur. Oui.
C'est un accord. Ah 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 ah, à vous. Ah 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 ah. Chut. Ah 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 ah. Vous avez l'habitude de travailler ou d'aller à l'école? Nous avons l'habitude d'aller à l'école. Est-ce que des fois vous chantez des chansons? Non, une fois par semaine seulement. Okay. Que plantez-vous dans votre jardin d'école? Il n'y a pas de poissons dans notre école, mais des bananiers. Non, il n'y a pas de taxi pour nous, nous marchons à pied. Est-ce que les maîtres et les maîtresses ont un bureau? Oui, elles sont un bureau quand les classes ont point de voile. Quels sont vos jeux dans la cour? Nous jouons aux billes, à la marraine, chat et souris souvent. Nous jouons ensemble les filles et les garçons. Dans notre école, il y a 5 classes, CP1, CP2, CM1 et le CM2. Où pour résister à cette chaleur? Pour résister à cette chaleur, nous mettons un vêtement léger, nous portons les chapeaux. Non, nous n'avons pas d'argent pour faire des sorties et notre école aussi n'a pas de budget pour faire ça. Non, ici c'est nos parents qui font la cuisine pour la cantine. C'est le deuxième trimestre du 22 mars au 7 avril. Est-ce qu'il y a des mémorials dans votre cours d'école? Ça, c'est les Mireille Bambou. Est-ce qu'on a trouvé cette raison dans le parc? Nous, on a tout le temps que la langue nous crie, on a rien. Mais c'est juste une assassinat, ça fait rien. Les guirlandes viennent en arrière pour Christmas. Les téléphones sont en arrière. Les chelis vont venir, viennent en arrière. Les caranes vont en arrière, viennent en arrière. Look, we have a lot of money. Then we have a lot of money. Dairy, what do you give? We have a lot of money. We have a lot of money. We have a lot of money.
banane, orange, pruine. Il ça. Oui, deux fois par jour. Oui, un papa chien, un maman chien. Oui, dans la cadence des gens. Oui, jusqu'à 12. Et dans notre jardin, il y a les fleurs, les bananiers, les oranges. Je vous parle d'un monde qui n'existe pas. Un monde où les frontières ne diviseraient pas. La maigre différence, comme ultime richesse. Sans barrière, sans bannière, inutile pour Soleil, s'éveiller.
enseignante classe de CM1 et PP Tarakaman. Moi, je suivis la répétition qu'on a fait ici pendant 2 mois pour la projet musical. Et c'est là où ça pense beaucoup de choses. Par exemple, pour les enfants, ça les rend heureux, épanouis, confiance en eux. Et pour les enseignantes, oui, ça donne un peu de travail, mais c'est vraiment de plaisir pour nous. Dans notre école, il n'en a pas encore des activités parascolaires qu'on a fait comme ça. Mais c'est la première fois qu'on a des projets comme ça ici. Et c'est vraiment... comment... Déjà, ils avaient une belle voix et donc ils ont bien travaillé les techniques que je leur ai partagées. Et finalement, on a bien mené le travail et on a fini le clip et la prise de son. Et moi, pour ma part, Bonjour aux enfants de Tarakanana. Et puis je tenais à vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce projet et que ça m'a apporté énormément et que les enfants ont travaillé beaucoup et ça leur a apporté un enrichissement culturel et extraordinaire. Et j'espère pouvoir retravailler bientôt avec vous. Je tiens à vous féliciter, les enfants de Tarakanana, les enfants de l'école Tourneville, de tout le travail que vous avez fait, accompli pour aller l'un vers l'autre. Bravo. C'est à nous de choisir.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas. Avant vous les frontières, on divise les pas. La moindre différence, il est notre frontière. D'abord des choses et puis eux nous ont dit ce qu'ils voulaient faire. Ils partaient plus sur un échange, sur un travail avec les élèves, sur quelque chose de commun. Et donc c'est parti de là. Après au niveau des échanges, on a beaucoup échangé au niveau des emails, des photos. Mais je tiens quand même à dire, on voit les enfants qui font exactement les mêmes gestes. On a absolument que ben, les gestes sont exactement les mêmes sans avoir... rien du tout répété en tout simple, c'était simplement de se faire rencontrer au moins visuellement les enfants qui a priori n'ont pas lieu de se rencontrer de par la distance, et ça a permis de développer également, c'est un point d'appui, c'est de la pédagogie par projet, c'est un point d'appui pour faire avancer les enfants dans les apprentissages que l'institution nous demande de transmettre, mais aussi dans la réponse que eux attendent des connaissances et des découvertes et des curiosités qu'ils émettent. Donc c'est arrivé comme ça, de manière fortuite, sur une rencontre dans le journal, dans un article de journal, sur des propositions de l'ami de QI, sur la mise à disposition de moyens de la municipalité de Soissons. Et petit à petit, en fait, le projet s'est construit de cette manière-là. Parce que là, ce que vous voyez, c'est 25-28 minutes de diffusion, mais on a quelques heures de rush quand même. Et vous, les enfants, ici, on voit que vous avez... beaucoup de bonheur à faire ça, et je peux vous assurer que les enfants de Saratanan
ont également eu beaucoup de bonheur à faire ça. Ce qui leur manque vraiment et ce qui resteront toujours un peu frustrés, c'est de ne pas vous connaître directement, de pouvoir partager leur jeu avec vous. Mais ça a été très intéressant et je ne sais pas si vous avez bien compris ce que disait l'institutrice, parce qu'elle parle tout doucement. C'était la première fois que quelque chose se passait comme ça. L'enseignement à Madagascar est très différent pour des questions de moyens, pour toutes sortes de... J'ai même pris le micro pour chanter, mais ça a été vraiment une découverte. Et la semaine dernière, j'ai eu au téléphone, pour tout à fait autre chose, l'inspecteur, je ne sais pas l'équivalent ici exactement, et en tout cas celui qui supervise un petit peu toutes les écoles du village. Et donc on a parlé d'un certain nombre de choses et il m'a dit « et le film ?» Alors je lui ai dit « le film est fini et on va le projeter. » D'autres projets, par exemple, des petits tours pour l'école, c'est ça ? Oui, on peut tout imaginer, effectivement, il peut y avoir d'autres projets. En tout cas, Joachim filme, c'est pour leur montrer aussi, que vous êtes nombreux ce soir, pour leur montrer vos réactions, et leur montrer que si ce qu'ils vivent là-bas, ça vous intéresse. Et nous, on filmera aussi quand on leur montrera leur réaction, et on leur montrera. Alors là, ça varie, mais en général, on essaiera de dépasser 45, ce qui n'est pas une grande classe à Madagascar. Ils parlent vraiment français. Est-ce qu'ils parlent vraiment, vraiment français? Exactement, qui s'appelle Madame Monique. Au plus vite, ce projet au niveau départemental, voire régional. C'était une première expérience. Hein. Moi, c'est passé comme ça. Il était bien, sauf qu'il y avait un petit peu trop de chants. Trop de chants? S'ils avaient expliqué un peu plus, ça aurait été très bien. D'accord. Et les bruitages, c'était très bien. Voir si là-bas, dans les écoles ou dans la municipalité, il y aurait Internet, parce que ce serait facile de communiquer avec les cartes mémoire et autres, les messages, les photos, ça va vite comme ça. On va voir. Les impressions sont bonnes, c'était sympa de voir des enfants communiquer entre eux, et vraiment, on a passé un agréable moment. Voilà. Merci. C'est que ça reflète bien ce qu'on voit là-bas, parce que j'ai fait plusieurs séjours avec des enfants aussi là-bas. C'est vraiment, ça résume bien la situation. Bien qu'on voit, c'est vrai que l'école, elle est vraiment belle par rapport aux autres écoles qu'on peut voir dans l'île. Merci. Alors moi, ce que j'ai retenu dessus, je dirais qu'il y a un maître mot, c'est le mot amour. Et là, je m'adresse à vous les enfants, à vous les enfants qui êtes le monde de demain. Apprenons à vivre avec nos différences. Et c'est comme ça que vous ferez avancer la planète. Je vous fais un gros bisou à tous les enfants de ce poisson et de Saratana. Merci Aimé. On fait un coucou à tous les enfants de Madagascar. Et puis on aimerait continuer cet échange culturel. On a été très heureux de partager ce projet avec vous. Merci. Bisous. Moi je voudrais déjà dire bonjour à toutes les personnes qu'on a vues sur le film tout à l'heure. Leur souhaiter vraiment beaucoup de bonheur. Et dire que le projet qui a été réalisé entre les deux écoles, ça a déjà permis beaucoup de choses dans le partage. Et je pense que déjà, ce pari-là, c'est quelque chose de gagné et que, en soi-même, ça suffisait
le partage, pas de frontières, et puis on a tous le même soleil. Et dans les yeux, surtout. C'était bien. Merci. Ouais. Alors, allez, c'est bon. C'était super les enfants. Vous avez super bien chanté, il faut continuer comme ça. Ouais. Vous en parlez top. J'étais très contente de voir le plaisir qu'ont les enfants à chanter. Et puis j'étais aussi évidemment très contente de revoir les enfants de Tsaratana et les institutrices. C'était très chouette, vous avez fait un super travail tous. Merci. Toujours meilleur à chaud. C'est meilleur à chaud. Allez, bon. Allez, on y va. Bah, j'ai trouvé ça formidable, la réaction des enfants, les questionnements des parents par la suite. C'était très intéressant. Les enfants de Tsaratanada sont joyeux, dynamiques, heureux de vivre. On se pose les mêmes questions que les enfants autour de l'île. Et c'est un pays, un monde sans frontières, tout simplement. Merci. C'était un super projet pour les élèves parce qu'on a vu à travers toutes les activités qu'ils pouvaient mener, plein d'apprentissages, aussi bien en découverte du monde, au niveau des projets d'écriture, de lecture. Donc j'ai trouvé qu'au niveau des apprentissages, c'était vraiment motivant et puis porteur de plein de choses. Donc un beau projet. Merci. Ben moi, j'ai pris un réel plaisir à monter ce film. J'ai même l'impression maintenant de connaître les enfants. Alors, j'aimerais les rencontrer maintenant. Il faut venir, il faut venir. On va venir te voir, on va venir vous voir. Très bien. Merci. C'est un très bon moment et puis c'est un super projet. Ça fait bien plaisir. Bonjour à tout le monde. Il faut que je... écoutez, j'étais très contente du résultat en fait parce que j'avais un petit peu peur. J'étais très angoissée de la réaction des enfants et des parents, en plus il y avait monsieur le maire et tout, et j'étais très contente parce que les enfants, il n'y a pas eu un bruit, ils étaient super contents de se voir sur grand écran, et puis en fait les adultes ont trouvé qu'on avait bien travaillé tous ensemble, donc ravis et à renouveler, j'espère, de tout cœur. Voilà. Merci.